capacité d'analyser la conversation, une capacité d'utiliser dans d'autres situations aussi. Tous les liens, bien sûr. Voilà, ça c'est fort explicite. Question numéro 2, est-ce que c'est le niveau d'expertise qui va en garantir? Oui, bien sûr. Et je vais rectifier plutôt la première. Là, ces deux questions sont un peu liées. Je vais le laisser comme ça. Troisième question. Il est bien important de savoir qu'on sait que de savoir. Alors, on est bien d'accord. Comment sait-on qu'une compétence est acquise? C'est l'effet tâche. Hein. Voilà. Ça c'est vrai aussi.
Donc la tâche, qu'est-ce qu'elle va fournir? Réussir une tâche et être traumatisé. Échouer fait partie d'apprentissage quand même. Voilà. Excellent. Alors, la même chose. Chose pour le quiz. Oui, ici on a fait la même chose. Hein. Le quiz, c'était bien. Oui, hein. Voilà. Donc, on quitte. Voilà. Ici, on va souligner les. Exactement. On va faire des annotations. Donc, voilà. On va prendre la page. On va la noter. Alors, ce qui est important de connaître, c'est. Qu'entend-on par construire des compétences? Ça et ça. Voilà. Alors ensuite, la compétence à l'école est un outil pour penser le transfert. Assez, hein. Parfait. Alors, il ne me reste plus qu'à enregistrer.